Bonjour, chers tous, et merci de votre fidélité sur AT Communication pour plus de vision professionnelle. Bienvenue dans Newsday, actualité politique en Côte d'Ivoire. Yannick Berry, candidat indépendant dans la commune de Macory, à Abidjan. Vous suivez Newsday. Yannick Berry, cadre des affaires juridiques de la société Petrosi Holding, fils et natif de la commune de Macory, originaire d'Azopé, âgé de 40 ans, a décidé d'emboîter les pas pour le progrès de sa commune en se présentant le samedi 29 juillet 2023 comme candidat indépendant pour les élections municipales de septembre prochain. L'activité s'est déroulée dans le quartier Sikoji de Macory en présence des chefs coutumiers, des associations des femmes, jeunes et hommes, sans oublier sa famille, en particulier son père biologique, chef canton de Yakassé à Toubro. Nous n'avons pas pour intention de porter des jugements de valeur à qui que ce soit. Nous n'ambitionnons pas de porter ou de faire un procès d'intention à qui que ce soit. Nous respectons ceux qui bientôt seront nos prédécesseurs parce qu'ils ont des états de service. Oui, être maire, c'est avoir des états de service. Être ministre, c'est avoir des états de service. Et nous, jeunesse de Macory, nous le reconnaissons. C'est ce pourquoi nous les apprécions. Nous disons simplement que l'heure de pouvoir présenter nos projets, de pouvoir présenter nos solutions est arrivée. De servir Macory. Oui, nous servirons Macory par reconnaissance, nous servirons Macory par honneur et nous servirons Macory par gratitude. Nous estimons qu'il appartient aux populations de Macory d'avoir le pouvoir communal. Oui, c'est possible à travers la gestion participative, à travers la démocratie participative. Croyez-moi, le pouvoir communal, en réalité, n'est rien d'autre que l'émanation de la population, c'est la population qui vote. Et nos objectifs, c'est vous associer à toutes les prises de décision. Une foule immense est sortie pour manifester leur joie pour sa candidature dans la commune de Macory. Depuis 2019, Yannick Berry est aux côtés de la population de Macory pour leur apporter son soutien dans le domaine des réhabilitations, des dons d'épargne aux femmes et prise en charge de nombreuses personnes. Je ne dispose pas des moyens de l'État de Côte d'Ivoire. Oui. Je ne l'ai pas. Mais pour Macory, j'ai un rêve. Pour Macory, j'ai une vision. Je ne dispose pas des moyens colossaux du budget de la mairie. Mais pour Macory, j'ai de l'amour. Pour Macory, j'ai un cœur. À cette occasion, il a donné un mini-concert à cette population avec les artistes, chanteurs et comédiens de renom tels que le magnifique Djidjé Moulo Koukou, Yelim, Yodé et Siro et bien d'autres. Oui, nous apprécions. Nous apprécions fortement votre engagement. Nous apprécions à sa juste valeur votre entrain, votre enthousiasme. Et nous croyons qu'en réalité, vous ne serez pas en vain. Mais ce matin, moi aussi, comme on a la cour, Macory, on ne sait jamais. Les Libéry, tous mes respects, on est ensemble, Macory, ici, Béji. C'était
News Day avec Angeline Aïcha et Méric Fofana sur AT Communication depuis Abidjan. Vous suivez News Day.